D'amélioration du cadre de vie de ses habitants, donc notamment par l'aménagement végétal et aussi par la mise en valeur du patrimoine, notamment avec la rénovation du centre ancien, et aussi avec la mise en place de projets, dont des projets culturels qui permettent aussi de favoriser le lien social. L'espace vert, vous avez à peu près une dizaine d'hectares d'espace vert. Oui. 1200 arbres ou assimilés, hein. Vous avez pu voir les palmiers, là, une trentaine d'espèces. Mmh. Il y a pas mal de haies, que ce soit des limbes ou des haies taillées, hein, bien un peu plus de 4 km. Il y a à peu près pareil, il y a 4000 m2 de massif. Hein. On a un jardin botanique qui s'étend sur 13000 m2. Si vous voulez, juste à côté du botanique, on a l'arboretum et un peu plus loin sur une route, on a une collection de filles. Ouais. Donc en attendant que ce soit rénové, qu'on mette en place la communication, parce qu'on aimerait qu'il y ait une vocation pédagogique aussi, pour cet été, on a quand même prévu un petit jeu en forme de flyer qu'on va insérer dans la revue, le magazine du village, pour que les gens quand même puissent y aller. C'est une agréable surprise pour nous à chaque fois de découvrir des villages qui sont comme le vôtre, entretenus, un beau patrimoine bâti, du végétal qui est bien mis au bon endroit. Et nous, on ne peut qu'encourager cette commune vraiment à rester dans cette démarche d'embellissement parce que c'est l'essentiel aussi des critères. On a des critères très élargis aujourd'hui, hein, donc je pense que toute l'équipe connaît bien les critères. Mais voilà, nous, on a déjà rencontré une équipe motivée, une bonne volonté municipale, on dira, un petit coup de cœur. Je crois que, bon, alors bien sûr, le tour de l'église est magnifique, enfin, mais c'est quand même le street art qui est développé, et notamment le château d'eau. C'est la partie historique qui a été rénovée. Des bâtiments qui sont vraiment très très beaux en pierre, qui sont mis en valeur. Avec l'école, je trouve que vous avez fait un beau travail. Très intéressant.